Salut la bonne famille. Attendez que je règle bien la lumière. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Defoga pour ceux qui me... Oula. Moi c'est Defoga pour ceux qui me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Vous avez vu ou pas? Je suis active ou pas? Et les gars, franchement, vous êtes vraiment pas prêts. Là, comme tu dis, 2023, on taffe. Mais bref, pour le moment, on va se contenter d'encore un vlog parce que je sais que vous kiffez ça. Du coup, encore une fois, un vlog bien une semaine, bien complet. Donc ça va vraiment être on vit au jour le jour. Donc là, pour le coup, je vais lancer un live make-up parce que franchement, je vous mens pas, je m'ennuie de ouf. Donc, je voulais m'apprêter en live, tout ça, vous connaissez. Et du coup, je voulais mettre une perruque. Donc là, c'est les highlights. En vrai, de vrai, les perruques comme ça sont trop belles. Vu que la dernière fois, j'ai voulu la mettre. Et regardez ce qui m'est arrivé. J'ai déchiré ma lèche. J'aurais vraiment déchiré. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais la recoudre. Mon truc de couture. Et les, franchement les laces qui se déchirent et tout, c'est ma phobie les gars, je vous jure. Je vais rentrer tout ça. Et on passe à la couture. Je vous ai pas dit. Guettez mes nails. Les gars, guettez mes nails. Guettez ma French. Les gars, j'ai réussi. Donc, croyez toujours en vous, en vrai de vrai. Parce que là, franchement, moi, j'aime bien. Je mens pas, j'aime bien. Juste la forme, j'aime pas trop la forme de la French. Les cils toutes seules, les ongles toutes seules, les cheveux toutes seules, le make-up toutes seules, l'épilation toutes seules. Je fais tout solo. Suffisez-vous à vous-même, même si je sais que c'est difficile. Déjà, à l'ancienne, quand je mettais pas de pépé, tout ça, je me coiffais toute seule. J'ai commencé à me coiffer en 5e. Je me faisais des mèches toute seule parce que vas-y, ma mère elle avait jamais le temps et de base ma mère c'est une coiffeuse, ce qui fait que c'est elle qui nous coiffait tout le temps et si elle nous coiffait pas, bah, personne nous coiffait. Et voilà. Et j'ai commencé à me faire des braids toute seule, des trucs comme ça. Et mes premières pépés, je les faisais toute seule. Fallait voir la technique que j'avais, hein. Une technique de ouf. 2016 par là, je m'étais fait des locks toute seule, vraiment tout toute seule. C'est rare que je donne ma tête. Genre, natte collée, je l'ai fait toute seule. En fait, je fais tout toute seule. Piercing solo, tout solo. Hein. Oh, bref, donc la pépée, elle est comme ça. Là, je vais aller prendre la tête qui m'attend derrière là-bas. Voilà, du coup, la tête. Avec les petits trucs là, ici, là. Du coup, voilà, on en est au début. Et voilà comment ça rend pour l'instant. Voili, voilou. Bref, je la mets sur ma tête et le reste, on fera sur ma tête en vrai. Hein. Et après, je lance le live. Ah non, je dois manger avant. Je dois manger. Du coup les gars, là je suis encore en live. Je me suis maquillée. Je suis belle ou pas? Je suis belle hein. Dites la vérité. Voilà, donc là je vais faire des boucles. Parce que j'en fais rarement. Et je pense qu'avec cette coiffure, ça peut le faire. En plus de base je crois que c'était une wavy elle. Hein. Je sais plus. Je fais mes boucles. Et je reviens. Bon, en tout cas je suis très jolie. Qui va se vanter. Mais avec vous sans toi ça va rien changer. Le mec sur le dos là, je suis le buteur magique. Y'a trop de mecs sur tes côtes à qui la faute. Bref les gars, j'ai grave fini mon live. Si je vous dis l'heure, hein, vous allez me dire wesh. Elle tout le temps 3h du matin, il est 3h25 du matin. Mais les gars, la nuit dans les lives il est fou hein. Je vais me débarbouiller, je vais me démaquiller, je vais enlever tout ce maquillage. Non messieurs dames, exceptionnellement, vous allez me suivre en fait. Bon, les gars, du coup, je vais aller refaire mes ongles. J'en ai marre en plus de tout le temps faire tous les jours. Faut que j'aille refaire parce que vraiment, la forme de la French, j'aime pas du tout. Et après, je vais dormir pour de vrai, hein, je crois. Hein. Même si en vrai de vrai, les gars, je vous mens pas, je me suis réveillée à 16h-17h. Il est 14h du matin. Ça fait pas longtemps que je suis réveillée. Du coup, bah, en vrai de vrai, je suis pas vraiment fatiguée. Mais faut que j'aille quand même dormir parce que sinon, je vais rester en décalé à chaque fois. Bref, tchuss. À me dire qu'elle m'a refilé des maladies, j'ai tombé. C'est bien. Il est exactement 8h51, tout à l'heure j'ai tourné une vidéo, cette nuit, dans les coups de 1h du matin, 2h du matin, ensuite j'ai directement enchaîné avec le montage, j'ai terminé le montage, j'ai téléchargé ma vidéo parce que vous savez que je fais mon montage sur mon téléphone, c'est plus une surprise, d'ailleurs la vidéo elle est là, hein. Là je l'ai mise sur YouTube et normalement elle sort aujourd'hui, sauf que je dois aussi me préparer maintenant, du coup là il va être 9h, faut que je me prépare parce que j'ai rendez-vous à 13h30 pour une interview. Je pense que vous connaissez Mahamet. Ah, pendant tout le long de la vidéo, je dis Mahamet alors que ça se dit Mamé. Donc calculez pas. C'est parce que moi, j'ai grandi avec des Samet, des Mahamet, tout ça. Donc je pensais que c'était Mahamet son prénom alors que non. C'est Mamé. Désolée. Je pense que vous le connaissez. C'est un très très bon youtubeur. Hein. Genre nous deux, on est au courant qu'on doit...
depuis avril 2022, les gars, ça va faire un an. Donc, en tout cas, j'ai hâte d'y être. Donc, étant donné que le lieu de rendez-vous n'est pas du tout à côté de chez moi, là, à 9h, je me prépare. En soi, ça va. En soi, ça va. Mais là, je ne veux pas tarder. Je vais aller me laver. Et allons-y. Pourquoi j'ai mal? Oh là là, quel plaît vraiment pas mon pull. Et je vous jure, et tous mes pulls, ils ont ça. Genre, ils sont tous mes pulls, tous mes hauts, tous mes vêtements, ils ont le vitiligo. Ils sont tous le vitiligo. Mais bref, je voulais vous dire quoi aussi, les gars, j'aime trop ma peau. Genre, ma peau, elle a trop embelli grâce au produit que je mets de chez The Ordinary. Genre, de base, c'était pour l'hyperpigmentation. À ce qui paraît, je suis plus trop noire autour de la bouche, même si moi, je trouve toujours. Mais à ce qui paraît, c'est atténué. Mais dans tous les cas, ça rend ma peau, j'aime trop ma peau, genre. Elle fait que d'écouter. Elle peut que écouter, Magdala. Elle peut dire quoi, Magdala? Une autre personne avec qui j'ai parlé, il a parlé à toutes mes... Et je vous jure, les gars, niveau, je suis tout le temps grise. Moi, j'ai vraiment la peau sèche. Genre, moi, c'est vraiment pas des blagues. Main grise, visage gris. Donc là, je vais me faire mes boucles. Voilà, franchement, la perruque, elle est trop belle. Ça fait quoi? Ça va faire 2 ans que je l'ai. Et je ne l'ai pas mise énormément de fois, mais je l'ai négligée. Hein. Mis à part le trou que vous avez vu, la déchirure et tout, elle est trop jolie. Et quand j'avais fait des boucles, ça avait fait trop beau. Du coup, je pense que je vais faire des boucles. Là, il est 10h38. Je pense que j'ai le temps. 38, c'est-à-dire que je sors de chez moi dans une heure. J'aime pas trop les boucles du jour J. Genre, quand c'est trop marqué, j'aime pas trop. Du coup, je sais pas comment je peux faire, mais... Par-ci, par-là, mais c'est déjà beaucoup plus pratique parce que... Les mecs, là, t'es con. Là, par contre, t'es con, c'est proche. Bon bah du coup là les filles, enfin les gars, vous savez qu'on m'a reproché de tout le temps dire les gars, parce qu'il n'y avait pas que des gars qui me suivaient. Mais en fait les gars c'est un réflexe, ouais les gars, et je dis tout le temps les gars mais je me rends pas compte genre. Mais bref, je pense que je vous ai déjà montré mon outfit, un ensemble gris, comme ça, ça fait en mode chill, parce qu'on veut pas trop en faire. Et par contre pour la veste, je sais pas quelle veste va avec... cette tenue. Donc je vais mettre cette veste là. Franchement c'est le seul qui peut le faire. Voilà. J'espère juste. Le seul truc que je crains vraiment c'est que ma pépé elle se décolle parce que j'ai pas de colle sur moi. Du coup je crains juste ça. Mais sinon ça va. Tout va bien. Tout va béné. Est-ce que je suis BG les gars? Attends, vous pouvez même pas me répondre, mais est-ce que je suis BG là les gars? Vous me direz dimanche, hein. Est-ce que je suis BG en vrai de vrai, les gars? J'ai trop peur que ma pépé se décolle entre temps, genre. C'est ma phobie, hein. J'ai même plus de petites got to be et tout. Oh, j'ai peur parce que moi, je suis une meuf qui rigole de ouf. C'est-à-dire que ma pote, je sais qu'elle va me faire rire. Je vais prendre ça, hein. Je suis obligée. Ça va pas énormément coller. Eh! T'as moi, il est balèze, ça qui sert même pas, wesh. Et je pense que je vais mettre un dernier petit coup. Un dernier petit coup là. Mais voilà, je pense que là c'est bon.
Waouh. Alors les gars, là on est arrivé, mais on est grave en avance. Donc je sais pas du coup si on peut quand même venir. Je vais lui demander. Bon, je t'ai dit que j'étais sur la route, mais en fait je suis arrivée plus tôt que prévu. Donc je sais pas si c'est bon pour que je vienne maintenant ou que j'attende l'heure prévue. Mais en tout cas je suis là. Du coup il m'a répondu. Si tu veux, attends, je vais appeler là-bas pour voir s'il y a quelqu'un, comme ça tu montes directement à l'intérieur. Je suis arrivée avant lui. Nous, quand c'est professionnel, on est ponctuel. Come on. Il veut câlin partout, partout. Veut chez tout, partout, partout. Affection et tout. Entre nous, c'est trop d'art parce que je suis ça. Il veut devenir mon âme. Il veut câlin partout. Entre nous c'est trop tard. J'attends monsieur le préfet. J'attends monsieur le préfet. J'attends monsieur Mahamed. T'as vu ce que tu me fais? Tu sais que je vais voir ce vlog. Est-ce que tu vois ce que tu me fais? C'est méchant, hein? Je vois, je suis entre des pommes de terre, je suis entre du lait, Viva, des hommes, tout est méchant, hein? Il y a des pommes de terre, il y a des patates, il y a du lait, il y a des rognons. Les gars, là, on vient d'arriver dans le vrai bâtiment. Genre, depuis tard, on n'était vraiment pas dans le bon endroit. Mais bon, comme monsieur Mahamed n'est pas là, on va l'attendre parce qu'on va arriver avant lui. Normalement, il arrive dans 5 minutes. Monsieur, 5 minutes. À 9, t'es là. Tu vois ce que tu nous fais? Tu vois ce que tu me fais? Bon, j'attends encore le heureux élu. Affection et tout, entre nous c'est trop d'impasse. Il fait grave chaud, par contre. Et tout. Oh, la balle. Combien de minutes de retard? Ça va, j'ai 10 minutes de retard. Et ça, je sais si vous invitez ou pour arriver. Je reste comme ça. Oui. Okay. Là, c'est en gros, je veux mettre Zarma backstage. T'as capté les stories. Parce que là, c'est bon, là, en soi, c'est pour l'émission. On y va! Betali solo de yoga! Betali solo de yoga! Story time! De fuga! Fuga! De fuga! De fuga! De fuga! De fuga! Beta maso! Et le solo! Tu connais? Ah, bien sûr que je connais! La intro, c'est tout ça! Ouais? Non, gamin! Bon, du coup, on a fini l'interview. Ça c'est super. Attends, je peux parler à ta. Ouais, ouais les. Je vous jure, sa caméra, comment elle est balèze. Ouais, les abonnés de Fuga, c'est Mamé. Voilà, moi, si je suis un youtubeur, j'ai fait l'intro avec de Fuga. Est-ce que vous avez fait l'info? Bref, les gars, l'interview va sortir. Vous entendrez parler de lui. Voilà. Vous entendrez parler de très lui. Très prochainement, ouais. Vous me connaissez pas, vous allez me connaître. Vu que je suis un mec organisé, je vais vous dire, il sort quand l'interview? Le dimanche 5 février. Ah, oh, super. Ça va? Ouais, ça va. Donc, rendez-vous le 5 février à 17h sur ma chaîne. Bisous, Betali Solo Toyoka. Les gars, du coup là, on est à. Les gars, on est à Saint-Bernus. Bah ça, tu vas mal. On est à Saint-Bernus. On rentre. Bah de base, je voulais grave aller au cinéma avec elle, mais elle m'a mis. Blanc. Les Roumains, comment ils se sont tournés? Hein? Ils voulaient prendre ta caméra, les Roumains. Tout à l'heure, je suis venue à Saint-Denis. La vie de ma mère voulait voler ma caméra. Genre. Oh bref. Du coup, bon, on rentre chacun ce soir. Non, elle m'accompagne à la gare de Lyon parce qu'elle est gentille. Là, je suis à Saint-Denis. J'ai même pas peur. Je suis aidée, non? Coucou. Je suis aidée. Mais non, moi je suis avec Pâté. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Je veux dire que vous les nourritures des gars et tout, c'est. Bref, merci. Là on va se passer de rien. Bref, là je vais laisser madame. Bisous ma fille.
Tu vas où là? Je prends le train. Attends. Il a 21, les gens ils sont en train de monter, j'aurais plus de place. Waouh. Les gars, j'ai vraiment une tête de morte. Hein. Mes cils ils sont enlevés. Enfin, j'ai enlevé mes cils dans la nuit. Je crois que j'étais stressée. Je sais pas, j'ai tout enlevé. Il est actuellement 21h19. Je me suis réveillée il y a pas longtemps, mais en vrai de vrai, toute la nuit j'étais sur le montage du coup du vlog, j'ai avancé sur des projets. Carrément tout à l'heure je vais continuer, donc sûrement je vais vous montrer. Après j'ai dormi et je me suis réveillée je crois à 19h, un truc comme ça il y a 2h. Là en tout cas j'ai grave faim, genre vraiment j'ai faim. Moi là ce qu'il y a dans mon corps, vous savez pas. Et hier j'ai eu grave le seum, juste avant l'interview, j'ai cassé deux ongles. Sur la vidéo j'aurais pas d'ongles et lui aussi il se casse. Bref, il n'y a rien à manger, donc je crois que je vais faire des pommes de terre en frites. En viande, il y a de la viande, mais il faut que je fasse décongeler tout ça et j'ai grave la flemme. De toute façon, je suis obligée. On va manger. Je vous mens pas, la lumière de ma cuisine, elle est horrible. In the kitchen. Et finalement, bien côte, bien légumes, bien épinards, avec du rice. Ça va faire du bien. Mais il n'y a même plus de juice. Voilà, hop, j'ai rajouté mon rice. Et les gars, vous savez que moi, je préfère mille fois la nourriture africaine que européenne. Ouf, ça pique. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Veux chier tout partout, partout. Entre nous, c'est trop tard. Oh. Bref, moi je finis de manger. Et après, au boulot. Maës, je le connaissais pas. Tu vois, Maës. Il y a quelques années, et ma question, qui tu as-tu lancé le gel? Moi, avec soi dangereux, plutôt que d'être mince comme j'étais l'année dernière, mais ils connaissent, ils sont toujours très gentils. Ah, t'es beaucoup plus belle en vrai. Ah, salut les friends. Calculez pas pourquoi je fais mon soin après avoir mis mon bonnet, après m'être habillée et tout ça. Du coup, je vous explique. De base, j'étais habitée dans un restaurant aujourd'hui et demain. Mais du coup, le restaurant, il est loin de chez moi. Genre, il est à Magny-le-Hongre. Et j'habite très très loin de Magny-le-Hongre. Ce qui fait que depuis tout à l'heure, je prends un hitch. Il y en a pas. Un trou plus un trou, ça fait. Voilà. Écoute que coûte, on attend quand même. Parce que du coup, j'y vais avec MK Lida. Mais dans tous les cas, si ça répond pas, je pense qu'on ira quand même manger. Mais... parce que la pauvre, j'habite pas dans la même ville que MK. Ce qui fait qu'elle va se déplacer pour rien, la pauvre. Donc je pense qu'on va quand même aller manger. Bref, les gars, du coup, là, le mec, il arrive dans 10 minutes. Même 8 minutes maintenant. MK, elle arrive, tout se passe bien. Mais bref, du coup, c'est bon. Ma ganache, on s'en fout. Pour ma tenue, c'est un ensemble du go. Normal. Et oui, regardez mes ongles. Hier, j'ai fait. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Par contre, j'ai grave le seum parce que regardez. Là, c'est pas de la saleté. Hein. C'est vraiment la colle noire des fossiles qui. Elle, si elle touche tes vêtements, c'est fini. Du coup, ça a touché mon haut et du coup, ça s'enlève plus. Mais bref, là, je descends et on y va. Mon taille est bien ou pas? T'es trop belle. Ah ouais? Oh là. Oh là. C'est quoi ta routine? Les gars, déjà, là, on est perdu. Déjà. Et vous savez, c'est là-bas que j'étais partie disparue. C'était ici. Mais du coup, je comprends pas. Enfin, du coup, on pense que c'est là. On n'est pas sûr. On pense que c'est là. T'as dit de rester où? Bah, dedans. Les gars, on a vu le camion, ça, elle a dit c'est là-bas. Non, mais on l'a trouvé en fait. C'est bon. Il est là. Du coup,
là on a commandé, moi j'ai pris des brochettes je crois de bœuf. Je sais pas. Porc sauté, je sais pas quoi là. Vous savez, elle a fait quoi cette bégade? De base, les gens ils viennent, ils rapportent le menu. Elle l'a pris dans une table. Et pendant que j'ai pris, il arrive avec le menu la honte. Hein. Voilà. Mais ouais, c'est brochette de porc sauté. Et toi? Poulet croustillant frit. En plus, je voulais changer, je voulais prendre des crevettes. Mais je me suis dit, j'ai peur de pas aimer en fait. Ouais, ça se voit que c'est bon. Ouais. Et ça sent bon. Sans rien. Après, on n'a pas l'habitude d'aller dans des restos comme ça, genre. Là, c'est, ça fait taille. On est sorti, on est dans Magny-le-Hongre. Les gars, le ciel il est de quelle couleur là? Je crois que je vois mal. Wesh! Eh, c'est violet, mais c'est vraiment violet. Eh les gars, il fait trop froid. Contracte mon ventre là. De quoi, le froid? Oui. Le froid il fait mal. Il nous frappe. Hein. Il se met comment lui là-bas? Ah mon dieu. Appelle-le. Je sais pas, on appelle où. Allô? Oui. On vous trouve pas, je sais pas. Il est où? Bref, de vrai, je vous jure que il nous faut une chope. Il nous faut une chope. On peut pas compter sur les gens éternellement. Tranquille, du coup là on a pris un Bolt. Du coup du coup le Bolt il est là. Bonsoir. Bonsoir. Donc pendant tout le truc, les gars, j'avais ça. Et j'ai pas vu. Ok, vas-y. Tu crois que je t'évite alors que je m'haïs. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Dis où tu veux qu'on se voie. Et je te donnerai ce que tu veux de moi. On y va jusqu'à ce que je... Déjà de 1, Gazo il sait pas parler, comment que je m'aille? Bref, moi je vais aller enlever tout ça, me mettre en pyjama, continuer à regarder Celebrity Untied. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série sur Prime Video. Moi personnellement je suis pas trop série. Franchement la dernière série que j'ai regardée c'était You. Et You je kiffe, You je surkiffe en fait. Moi j'aime trop les séries comme ça. J'aime trop le suspense. Du coup Celebrity Untied, pour ceux qui connaissent pas, c'est du coup comme je dis, c'est une série sur Prime Video où il y a des célébrités. Ouais, des célébrités en vrai. En l'occurrence là au début j'avais regardé la saison 2, donc il y avait Michou, Inoxtag, McFly et Carlito, Jari, Jennifer, Fadil, Kamara et Hakim. Et c'était trop bien parce que déjà c'est que des célébrités que je suis, que je kiffe. La saison 1 pouvait que être bien. Et la saison 1 du coup là je la regarde. Je sais que c'est pas logique que je regarde d'abord la 2 et la 1, mais vous connaissez. Et du coup, dedans, il y a Franck, là, Gaston Bide. Il y a Ramzy, il y a Lorman Odo avec son frère. Il y a Dadju et Darcy. Il y a Squeezie et Seb Lafrite. Et franchement, j'aime trop. C'est trop bien. Saison 2, elle est mieux que la 1. Mais c'est grave le genre de truc que je regarde. Genre, j'aime beaucoup. Bref, du coup, là, je vais aller me mettre en pyjama. Et voilà, parce que demain, à 14h, j'ai un rendez-vous pour mes cils, si tout se passe bien. Et après, je suis encore invitée dans un resto. Du coup, voilà. Donc de base la vidéo elle devait sortir dimanche, donc demain. Mais finalement je pense qu'elle sortira lundi. De base mes vlogs et tout je les sors le dimanche matin. Mais là ça sera plus le lundi soir. J'espère en tout cas que vous m'en voudrez pas. Bref, bisous mes bébés là, c'est bon. Bon bah les filles, finalement le vlog il s'arrête là. Donc il sortira bien dimanche. Comme tous les dimanches. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab, donnez-moi vos retours, les commentaires, ça fait très très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter comme j'ai déjà dit, et de partager. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.